les amis, bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire une recette savoyarde. Donc c'est un gratin de crozet et de dio. Donc les dio, c'est des saucisses. Et les crozet, c'est des petites pâtes carrées. Donc pour ce faire, il nous faudra donc des dio, donc les saucisses, des lardons, de la crème fraîche, du poivre, des oignons, donc les crozet, les petites pâtes, un filet d'huile d'olive et du fromage à tartiflette ou alors reblochon comme vous voulez. Donc tout d'abord, on va cuire nos crozet dans de l'eau pendant 20 minutes. Donc pendant que c'est en train de cuire, dans une poêle, on va faire cuire donc nos oignons. Donc on va mettre un filet d'huile d'olive. Une fois que les oignons ont un petit peu caramélisé, on va mettre nos lardons. Comme j'avais pris de l'avance pour faire cuire mes crozet, donc j'ai déjà mis une petite partie de crozet dans un plat. Donc voilà, j'ai cuit pendant 3 minutes mes lardons. Je vais les retirer. Et on va cuire donc les dio, donc les saucisses. Donc on va découper les dio en rondelles. Et on va les faire cuire. Voilà, une fois les dio cuits, on va mettre une partie de la préparation oignon et lardon. On va mettre une partie de notre crème aussi. Une partie des dio. On poivre la préparation. Et on va mettre des tranches, donc soit de reblochon, soit de fromage à tartiflette. Puis on remet les dio par-dessus, les crozet pardon par-dessus. Et on refait une dernière couche. Le lardon et oignon. Et pour finir, on remet du fromage dessus. Comme ceci. Et on va enfourner donc ce plat pendant 20 minutes à 180 degrés. Voici le résultat. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.